Bonjour à tous les fanatiques du chinois, des noix, y a pas des chinois. Quel est le bain? Hey. On ne joue pas avec le travail. Aujourd'hui, dans les 10 minutes de planche cato, le chinois, des noix, nous allons parler de la force. Oui, la force. La force, c'est une source d'énergie qui provient de quelque part, bien sûr. Ça, c'est pas la force, non, non, non. C'est pas ça on dit j'ai la force. Non, non. La force provient du ventre. L'énergie qui se concentre là, c'est dans le ventre. Voilà pourquoi celui qui a gros ventre n'est pas forcément fort. Mais celui qui a un ventre plat, bon, je ne parle pas de ventre plat de maladie. En tout cas, quand tu reçois, tu es au courant. Et celui qui travaille pour avoir son ventre plat, je vous assure que son énergie s'emmagasine en quantité suffisante afin de pouvoir terrasser son objectif. Donc, si la source d'énergie vient du ventre et que c'est dans le ventre que tout se passe, voilà pourquoi vous allez voir les pieds sont reliés au ventre. Les bras sont reliés au ventre. La partie où se trouve le ventre, c'est ce qu'on appelle en science, je crois, le tronc. Parce que on dit les membres supérieurs, les membres inférieurs, et puis la tête, mais ainsi que le tronc. Mais le tronc là, la plus grande partie du tronc, c'est le ventre. C'est là que ça magasine tout. Quand tu vas manger ce qui est bon là, pour avoir la force, ça doit rentrer dans le ventre. Pour que la nourriture, le sang puisse venir dans ta poitrine même là, ça passe dans le ventre. Le ventre. Quand il y a un problème dans le ventre, en tout cas, tu es au courant. Donc, pour avoir la vraie force qu'il faut, il faudrait que tu t'arranges pour avoir un ventre solide. Il faudrait que tu t'arranges pour avoir un ventre dur. Tu peux avoir un gros ventre et puis c'est dur. Tu es tombé sur quelqu'un comme ça, mon frère. Avant de te battre avec lui, mon cher, il faut te renseigner. Parce que la plupart de ce genre de personnes, je vous assure, quand ils vous saisissent et qu'ils savent contrôler son énergie, et qui sait puiser son énergie, c'est pas du jeu. En 2015, le 15 avril 2015, j'ai fait l'émission Samedi. Et pendant mon émission de Samedi, j'ai saisi Philo avec trois doigts. À l'école martiale de l'aigle, ce sont les serres de l'aigle qui attaquent seulement que les articulations de l'adversaire. Voilà. Parce que ce que vous voyez dans les films, je suis capable de représenter ça. Moi, je ne m'envole pas parce que je n'ai pas d'aile. Mais quand tu vas descendre, on va se comparer. Donc, j'ai saisi Philo. Et comme lui, il fait la comédie, on dit, oh, tu es un menteur, tu es un menteur. Et il prend un mec musclé, un rouquin, bien baraclé là. Et puis, il dit de le saisir. Donc, dans mon speech, je disais, je peux te saisir avec 5 doigts. Et puis, tu ne vas pas sentir de douleur. Et tu vas enlever ta main facilement. Mais quand je vais te saisir avec 3 doigts, non seulement le nombre de doigts est restreint, mais tu vas sentir la douleur. Et pour enlever, ça sera très difficile. Donc, si tu dois enlever difficilement, c'est qu'il peut arriver des gens qui peuvent ne pas enlever. Le mec, il vient, je le saisis. J'ai appuyé un peu, j'ai laissé. Caroline lui demande, mais tu as mal? Il dit non. Devant la nation ivoirienne, le chinois des noirs dans sa blouse blanche, tu veux me rendre plat? C'est pas possible. Donc, je me suis rappelé de l'enseignement qu'il m'a donné mon grand maître qui est mon père, maître Kato, ceinture blanche, 3 étoiles, une étoile fait 12 dames. Avec tous ces enseignements qu'il m'a donné, je vous assure, les techniques martiales et les enseignements que je connais, si on les met sur bout de papier, et puis on découpe chaque bout de papier, et puis on dépose une barrique, ceux qui vont soulever, on peut le compter au bout du doigt. Parce que vous avez en face de vous une bibliothèque martiale. On finit jamais d'apprendre. Mais ce que j'ai appris est beaucoup. Voilà. Donc quand quelqu'un veut m'apprendre aussi, je prends ce qu'il ne connaît pas. Et la plupart de tout ce qu'on m'apprend, ce sont des choses que j'ai déjà vues. Voilà pourquoi aujourd'hui,
je passe un style enseignement afin de permettre à tous mes frères de pouvoir comprendre. Je salue tous les grands maîtres qui respectent ce que je fais, qui me considèrent, qui m'apportent leur soutien. Voilà, encore un coucou à tous. Fabio Deyang, maître, voilà, et Sifan. Lui, avec son ventre là, si t'as attrapé, tu es au courant. Ça, ce sont les ventes dures. C'est quelqu'un qui travaille dur avec son gros ventre. Et c'est le plus clair des Yang. Sans oublier Papa Ainos. Voilà. Et tous les autres maîtres. Bon, bref. Donc, je saisis le gars avec les trois doigts. Il dit, ça fait pas mal. Donc, quand je me suis souvenu de ce que Papa avait dit, qui est mon maître, le grand maître planche, maître Kato, comme je le dis, la concentration, c'est la réflexion. La contractation, c'est le fait de pouvoir brandir toute son énergie dans une direction bien donnée. Et j'ai pris tout ce que j'ai puisé, tout ce que j'avais dans mon ventre. Du bas ventre au ventre, fait monter jusqu'à ma poitrine, fait sortir dans mon omoplate. La transcender dans mon bras et la projeter dans mon avant-bras d'abord et la transcender dans mon bras. Ensuite, alimenter ma paume, désactiver mon poignet et j'ai saisi le mec. Donc quand il essayait de bouger, il réussissait à bouger parce que la force n'était pas au niveau du poignet. Mais l'énergie transmise était constante parce que je l'avais saisi avec plein d'amour, je vous assure. Et on lui demande maintenant, il dit oui, ça fait mal. Mais il veut enlever, il ne peut pas. Parce que, vous devez comprendre un truc, quand quelqu'un essaie de partir en force, vient en douceur. Quand il vient en douceur, il va en force. Et l'énergie sera toujours constante. Mais lui n'avait pas cet enseignement. Et cet enseignement, je dors dessus. J'adore. Donc voici comment je l'ai neutralisé. Et on lui pose la question, il dit oui, ça fait mal. Et la foule a dit, ah, tout et tout. Mais on pouvait ne pas arriver là. Mais c'est parce que c'est l'homme noir. On voit un peu. Donc, l'énergie réelle la sort du ventre. Donc, quand ton ventre est bien contracté, en tout cas, tu as toutes les possibilités, les chances de pouvoir faire un truc bien propre. Voilà pourquoi celui qui tend son pied, sachez qu'il a un bon ventre. Celui qui donne un point qui est solide, il a un bon ventre. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu le film qui est là. Et pendant ma démonstration, après la saisie, le gars, il ne suivait plus et la caméra présentait, il était en train de masser son poignet. J'ai dit, on pouvait ne pas arriver là. Il t'appuie un peu, ah, vraiment, ça fait mal. Faut pas lui dire ça fait mal et puis ça le rend plat. Voilà, donc il va montrer que c'est lui. Vous voyez un peu. Donc voici un peu dans quel esprit je voulais conduire la conscience de tous mes fans. À tous les fanatiques du chinois, des noirs, comme je vous dis tous les jours, il y a pas des chinois. Quel est le bain? Vous voyez, à chaque fois quand je fais mes vidéos, je suis en sueur. C'est juste un peu de pompe. Ça fait du bien. Pomper chaque matin. 100. À raison de 10-10. Ça va vous faire du bien. En tout cas, si tu veux suivre mes conseils, quand tu regardes ma forme là, tu es fier. Pas les plaquettes de chocolat et les cabosses de cacao. Quel est le bain? Désormais, quand j'enlève mon t-shirt dans une prestation, c'est qu'il y a rien caché. Si j'ai pas de caché, plus de déshabillement. Voilà, c'est le travail, je vois ça. Ok. Si tu as aimé la vidéo, champion, tu la partages. Si tu es satisfait, tu commentes et puis tu partages. Si ça te fait du bien, tu peux me télécharger. Mais sachez que le travail continue et qu'on ne joue pas avec le travail. Voilà pourquoi il faut se donner à l'âme assez à la fin de pouvoir avoir un ventre plat, un ventre dur, pouvoir avoir plus d'énergie, pouvoir te permettre de pouvoir être percutant partout où tu seras, partout où tu iras. Et être sûr de soi. Oui, si tu travailles dur, tu seras sûr de toi. Je ne joue pas avec le travail. Il n'y a pas des chinois. Quel est le bain? Yoramani. Sarakanya. Fais Jules à Tubado. Aussi une pensée à Nyawatoro, oui, le Dangoro. Reçois les salutations de ton fils, Blanche Kato, le chinois de Noéba, des chinois. Quel est le bain? Sachez que le travail continue. Tant que Dieu nous donne la force et l'énergie, on va toujours travailler. Merci. À...